vous rendre comme présentation. Ok, c'est la première cassette. Et je te dirai au fur et à mesure ce qu'il faut prendre. Pour l'instant, toujours rien.
réalisateur Bordeaux. Je répète rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure, un maximum d'action en première période par sécurité parce que ça peut faire un 0-0. Et en deuxième période, les 10 premières minutes, les bonnes actions et après uniquement les buts. Vous aurez un problème parce que le journal commence plus tôt. Il faut prendre à mon avis les 20 dernières minutes du match sur Magneto puisqu'ils ne pourront plus le prendre en ENG. Claude, tu as vu, tu prends la faute sur Amis et ensuite le coup franc d'Henri Michel dévié et détourné par le gardien. Ce sera notre première action. Tu notes à la 11e minute.
prend toute l'action. Le tir de Baroncelli, le corner, la contre-attaque italienne et le but d'Altobelli. Michel. 15 secondes avant et le tir sur la barre d'Henri Michel, merci. Ok Claude, tire sur la barre Henri Michel. Ça fait déjà 3 actions dont un but.
Claude, tu prends également. Claude, tu prends également. Tête de Baron Kelly. Merci. Ok Claude, bon, tu prends la sortie de Bertrand Demann et tu peux prendre après le tir d'Enzo Brossero et le réflexe du gardien, hein. C'était superbe. La sortie de Bertrand Lemann à 30 mètres de ses buts.
a 6 bonnes actions pour l'instant, Claude. Alors maintenant, on va ralentir un petit peu et ne prendre que les buts jusqu'à la fin de la première période. Charles de Touré sur le gardien. Tu diras, Claude, tu n'oublieras pas de dire à André, enfin tu lui donneras les résultats des deux autres matchs, parce que moi je ne pourrais pas du tout les avoir ici. Hein. Sochaux Boavista et Saint-Étienne-Saint-Mirren. Les Écossais de Saint-Mirren entre Saint-Étienne et Sochaux Boavista. Boavista de Porto.
coach, je crois que tu peux déjà monter pour faire le montage de la première mi-temps. Tu peux y aller pour la première mi-temps. Je dirais au télé-cinéma de changer de cassette, t'inquiète pas. Parce que tu as quand même 6 actions, 2, 4, 6 actions à monter. Plus la première cassette, la pluie et l'entrée des équipes. Et les 6 actions. 10e minute, faute sur Amis. Ensuite, le coup franc de Michel. Faute sur Amis, coup franc de Michel. Ensuite, 13e minute, Baroncelli, c'est la deuxième action. La contre-attaque de l'Inter. Et le.
tourne. Entrée numéro 14, Pancheri. À la place numéro 3, Henri Haï.
vous pouvez changer de cassette et prendre toute cette action, prendre toute, pas cette action, enfin la précédente, hein, le cafouillage devant les buts, les Nantais qui ont failli marquer, hein, avant le coup franc. D'accord ? Claude, tu prends toute l'action, le cafouillage de Nantais qui tire 2-3 fois au but, le gardien qui détourne, l'arrière, etc. Juste avant le coup franc. Hein. Ok, merci. Je crois que ça suffit pour les cassettes, le reste ce sera un calage magnéto.
on va faire une loi qui va modifier de fond en comble le statut de l'Algérie. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il ne la fait pas passer, cette loi. Qui est responsable? Les Français d'Algérie. Ce n'est pas vous qui avez écrit, c'est M. Charles. Je ne suis pas responsable de ce qu'a écrit M. Charles Julien. Ne me confondez pas. Et d'autre part. Est-ce que vous savez, M. Abbas, vous savez qui a écrit l'histoire officielle de l'Algérie? M. Charles-André Julien, fondateur du Parti communiste algérien, et M. Ajouran, qui doit être à peu près dans les mêmes idées. Alors comment vous allez amuser mes amis, président Ferrat Abbas. Vous parlez par exemple de l'échec du projet Biouvillonnet. Moi, je lisais le Jeune Algérien, ou bien La Nuit Coloniale, je cite un député algérien, Abou. Et il dit, je sais, j'ai mis en échec le projet Biouvillonnet. Je sais comment barrer la route aux Arabes et je sais comment les mater. C'est pas moi qui le dis. Ouais, ben, c'est M. Abou, député d'Alger. Monsieur Ferrat Abbas, le président de la République, le président du Conseil, c'était M. Blum. Il avait la majorité à la Chambre. Les députés algériens, ils étaient moins de 10. Et vous me dites mais que ce sont 10 et 10. Vous n'allez faire croire à personne que 10 personnes peuvent arriver à la parole à Jo, car tout de même, là, Blum-Violette, l'histoire de Violette, elle est terrible et pour vous. Car il ne s'est pas battu uniquement à ce moment-là, il s'est battu 20 ans. Monsieur Suffer, j'ai écrit dans l'Écho d'Oran, pendant la guerre d'Algérie, qu'il était navrant que les propositions de Monsieur Violette, quand il était gouverneur de l'Algérie, n'aient pas été acceptées parce qu'elles étaient parfaitement raisonnables. Je l'ai écrit, par conséquent, ne me mettez pas dans ceux qui ont été toujours contre. Mais j'attaque dur parce que ça le mérite, parce que c'est monstrueux de penser qu'encore à l'heure actuelle, on raconte que tout vient de la Cour des Comptes. Vous laissez la parole à Jean-Michel.